Hello, hello! C'est Noël en juillet et voici ce que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. Des poinsettias en papier vellum, papier calque. Regardez comme c'est joli dans ces couleurs. Vous les voyez ici aussi avec les feuilles de houx à l'arrière. Très 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 sympa dans cette matière, ça donne un effet vraiment très très joli. Et ce n'est pas par hasard que j'ai décidé de réaliser ce tutoriel aujourd'hui. C'est parce que le papier Wintertels va bientôt sortir ou est sorti. Et je vais faire un album en fin d'année avec ce papier car je l'aime beaucoup. Et j'ai préparé les poinsettias dans les tons bleus pour s'accorder justement avec ce papier que je ne manquerai pas de vous montrer très bientôt. Donc si vous voulez réaliser de très jolis poinsettias comme ceci, eh bien c'est parti. Hop, 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 à vos outils! Pour réaliser ces poinsettias, je vais déjà vous montrer le matériel que je vais utiliser et que vous trouverez, mis à part les encres, dans ma boutique. Alors déjà, la base, le papier vellum, c'est un cardstock vellum qui fait 180 grammes, donc très épais. C'est important qu'il soit épais. S'il est trop fin, il va casser. Et celui-ci est vraiment top top. Ensuite, je vais utiliser bien sûr les Christmas Poinsettia and Holly de chez Airfail Creation. Donc les dies se composent de 5 pièces. Il y a 3 pièces pour les fleurs. Le tampon, pareil, 5 pièces. Donc vous voyez, deux ici, ce sont les feuilles qui ressemblent plus à des feuilles de houx. Et ici, 3 tailles de pétales. Pour les poinsettias. Et puis le mold qui va permettre de modeler tout ça en une seule passe très rapidement, mais surtout d'avoir un nervurage qui est très sympa sur les pétales et feuilles également. Et puis donc vous voyez, il se compose de 2 pièces. Je mettrai toutes mes découpes dans le mold et hop, dans la Big Shot. Sinon, je peux aussi modeler à la main. Donc, j'ai préparé mon outil avec les deux embourrons et le tapis de modelage, embossage. J'utiliserai des pistils, donc soit pastel, soit plus coloré pour le centre de mes poinsettias. Et pour la fin, eh bien, je vais venir les pailleter avec le frosting powder. Je vais utiliser pour le tamponnage de la color box blanc givré pour avoir un joli motif sur mon vellum. Donc nous allons déjà commencer par le tamponnage, bien sûr. Pour le tamponnage, j'ai posé mon tapis de mousse spécial pour tamponner mon bloc acrylique et je vais commencer par les pétales. Alors, je vais en faire 3 ou 4 de chaque parce que je vais utiliser plusieurs couleurs. Donc, j'en fais toujours beaucoup quand je sors le matériel à la fois. Je vais juste vous montrer sur un ou deux tamponnages le résultat avec cette encre. Vous allez voir, ça va faire un joli blanc. Regardez, tout en transparence. Très très joli déjà le tamponnage à la base. Donc, avec chacun de mes 5 tampons, je vais faire plusieurs motifs. Beaucoup, beaucoup. Et une fois que j'aurai tout tamponné, nous allons mettre en couleur. Voici le résultat de mes tamponnages. Donc, vous voyez vraiment très très sympa. Je vais laisser ce tapis pour que vous puissiez mieux voir. J'ai préparé mes petits doigts encreurs pour les encres. Et pour le vellum, eh bien, nous allons retourner nos feuilles car la mise en couleur se fait sur l'arrière. Je vais utiliser pour les poinsettias rouges, l'encre Archival Red Geranium.
Et puis, donc, je vais appliquer mon encre à l'arrière, tout simplement. Et par contre, vous laissez sécher un petit peu avant de reprendre votre papier parce que le vélum absorbe moins la couleur. Donc, il faut laisser sécher un petit peu. Donc, voici pour le rouge. Pour mes poinsettias bleues, je vais utiliser la Salty Ocean. Et je prends des couleurs assez foncées parce que ça va ressortir plus clair sur le devant. Comme ça va être en transparence. Donc, j'utilise vraiment des couleurs foncées. Et puis pour les poinsettias roses, j'ai choisi la Picked Raspberry. Donc je ne me trompe pas dans mes petits doigts encreurs. Et je termine la mise en couleur. Je vais continuer sur mes autres pétales, bien sûr. Pour les feuilles, pareil, j'ai choisi une encre assez foncée. Et j'ai pris dans les coloris Distress la Pine Needles. Vous voyez, assez foncé. Et cette fois, je vais prendre les petites feuilles. Et j'ajoute également ma couleur. Donc, vous voyez des couleurs assez foncées. Mais vous allez voir, quand on va retourner le vélum, eh bien, ça ne va pas faire si foncé que ça. Je vous montre. Vous voyez, on a des tons plus clairs. Donc, très, très sympa. Donc, je finis la mise en couleur et puis je vais pouvoir sortir mes dies. Mais avant, je vais, avec les ciseaux, découper toutes mes formes pour faciliter la position des dies. Donc tout simplement, une fois mis en couleur, je vais les séparer, je vais tout séparer. Les dies sont comme les tampons, au nombre de 5 et correspondent donc exactement aux formes. Alors j'ai déjà attaché ici pour les feuilles, vous voyez. Donc prenez votre temps quand vous positionnez le dies sur le tamponnage pour qu'il soit exactement au bon endroit. Ce serait dommage de rater la coupe. Et puis je positionne deux petits morceaux de scotch, un sur le haut, un sur le bas. Et pourquoi deux? Parce que si je n'en mets qu'un, ça risque de bouger. Et je ne veux pas prendre le risque. Donc j'attache tout ça. Ici, le deuxième pour les feuilles. Donc, vous voyez, ça correspond exactement. Et puis, mes 5 dies, je vais les passer en une seule fois dans ma machine et récupérer toutes mes découpes. Et puis, nous allons pouvoir procéder au montage. Mais avant, je récupère toutes mes formes. Regardez comme c'est joli en vélum. Et puis, nous allons les modeler. Alors, soit à la main, avec mon tapis de mousse et mes deux embouts. Alors, pourquoi deux de tailles différentes? Pour utiliser le grand sur les plus grands pétales et un plus petit sur les plus petits, bien sûr. Et si, comme moi, vous avez le mold, j'aime beaucoup les molds. On a vraiment des détails sur la fleur différents de l'embossage à la main. Donc, ce mold, il a 2 pièces. Je l'ouvre et je vais positionner toutes mes découpes dedans. Alors, quand vous positionnez, il y a un sens. Ici, c'est tout bon. Et vous tournez, si besoin, jusqu'à trouver la bonne forme. Là, c'est bon. Pour celui-ci, c'est assez simple. Comme ceci, vous voyez, ça correspond également exactement. Donc, je vais positionner tout ceci. Une fois que mes découpes sont bien positionnées, donc je vais bien sûr remplir mon mold pour gagner du temps, parce que je vais pouvoir en faire plusieurs en même temps. Eh bien, ici, nous avons deux petites encoches
ici aussi. Donc tout simplement, je vais refermer une plaque claire en dessous, une au-dessus et ça part dans la machine. Juste une précision, pour les pétales, ils se mettent face vers moi. Pour les feuilles, c'est différent, on les retourne. Si je les mets à l'endroit, eh bien, la forme ne va pas correspondre, comme vous pouvez le voir. Il faut les retourner. Donc, pétales à l'endroit, feuilles à l'envers. Et c'est parti. J'embosse tout ça. Et regardez, voici toutes mes découpes embossées. C'est très très joli, le nervurage avec le mold, vraiment très beau. Alors vous voyez ici, il peut y avoir, comme c'est du vélum, des petits traits blancs qui se forment sur le vélum. Ça n'est pas très joli, mais nous n'allons plus les voir parce qu'à la fin je vais pailleter mes poinsettias avec le frosting powder et ça va faire vraiment très joli, vous allez voir. Donc je récupère tout ça, mon pistolet à colle est branché, j'ai préparé cet outil. Alors si vous modelez à la main, eh bien tout simplement vous n'aurez pas le nervurage, mais avec la pointe moyenne, eh bien je vais juste appuyer sur le milieu pour les remonter. Au niveau de la feuille, vous pouvez les retourner et appuyer un petit peu sur l'envers pour recourber les côtés. Et pour assembler mes poinsettias, je vais utiliser uniquement deux pétales de même taille et les intercaler. Alors, vous pouvez très bien en utiliser trois si vous le souhaitez. Par exemple, en prendre un de taille moyenne et deux très grands. Je ne vais en prendre que deux. Donc, avec le grand embout pour le grand pétale, j'appuie sur le milieu. Je prends le moyen pour le petit. Et puis, au centre de mes pétales, je vais percer. Alors, attention, percez bien au milieu pour ne pas que les feuilles se détachent. Donc, juste un trou suffisant pour passer les pistils que j'ai préparé ici. Et puis je vais sur les grandes fleurs en prendre trois. Donc là c'est le rose, je vais prendre assez clair, je vais prendre du pastel si je le trouve ici. Et puis je vais prendre aussi deux pistils blancs. Pour les gros pétales, ce sera très très bien. Et puis vous allez les serrer comme ceci, les enrouler, et nous avons cette tige. Et nous allons passer la tige au centre, donc dans le trou que nous avons fait. Et puis nous allons assembler tout ça. Je vais prendre le deuxième, percer un trou également, mais le remonter avant pour lui donner un petit peu de la dimension. Et je vais, avec le pistolet à colle, juste ici au centre de mon pétale, venir mettre un point de colle, pas trop, et ramener mes pistils. Et puis si vous relevez plus ou moins, et eh bien vous allez avoir plus ou moins évidemment de dimensions. Vous centrez bien les pistils et puis nous allons ajouter le deuxième pétale. J'ai percé également, vous rassemblez bien votre tige, vous pouvez la couper un peu si c'est plus facile. Et puis tout simplement, je vais venir enfiler mon second pétale. Vous voyez, c'est très simple. Je mets ici, sous le premier pétale, un point de colle chaude et je vais le ramener en quinconce sous le premier. Et puis vous relevez plus ou moins et c'est tout bon. Regardez comme c'est déjà joli, mais vous allez voir quand je vais mettre le frosting powder, ça va être juste magnifique. Alors pourquoi j'ai choisi de les faire rose et bleu? Eh bien pour s'accorder soit avec
la collection Stamperia Pink Christmas ou alors Winter Tales qui arrive bientôt et que je ne manquerai pas de vous montrer. Voici pour la plus grande des fleurs. Alors bien sûr, ici, vous pouvez couper ensuite le surplus du pistil et puis je vais faire avec vous un second poinsettia. Nous allons le faire bleu, celui-ci. C'est très joli aussi en bleu. Ça change. Comme le pétale est plus petit, je ne vais prendre que deux pistils que j'ai choisi bleu ciel. Pareil, on amène les pistils. Un peu de colle à la base. Pas trop. Et on ramène tout ça. Voici le premier pétale. Il me reste à mettre l'autre. Donc je l'amène sous le premier. Vous voyez, c'est très simple, ces poinsettia. Vraiment pas compliqué. Et en vélum, c'est très très joli. Un petit peu de colle à la base et j'amène le second. Donc, je vais continuer d'assembler tous mes poinsettia. Pour les feuilles, eh bien, je les laisse comme ça. Une fois ici la base coupée, nous pourrons venir les ajouter autour. Ce sera très joli. Et puis, nous allons passer à la phase de paillettes. Regardez tout ce que j'ai fait. Alors là, vous voyez, j'ai mis trois pétales. C'est sympa aussi. J'ai réalisé un rouge pour les couleurs Noël traditionnelles. En vélum, c'est très, très beau aussi. Ici, deux pétales. Et puis, pour les pailletés, ça va être très simple. Alors, j'enlève bien sûr mon embout pour avoir plus de colle. Je remets tout de suite ma petite aiguille pour que ça ne se bouge pas. Et puis, pour les fleurs les plus petites, je vais directement les glisser dans le pot. Avant, j'applique ma colle un petit peu partout, sans trop en mettre, mais elle va sécher clair, donc pas de problème. Et puis, je vais tout simplement directement tremper ma fleur dans le pot de paillettes et je vais laisser sécher. Pour l'instant, ça n'est pas joli, il faut attendre que ça sèche et vous allez voir, le résultat est magique. Je vais faire encore une avec vous et puis pour les feuilles, eh bien, je vais pouvoir les pailleter aussi. Donc je trempe, vous voyez, je secoue un petit peu. Regardez, ici c'est plus joli, j'ai mis moins de colle. Et là, on voit tout de suite quelque chose de... Ça fait un petit peu un effet gelé, cette poudre, elle est très très sympa. Et puis pour les feuilles, eh bien tout simplement, je vais appliquer la colle. Et pareil, je les trempe doucement dans mes paillettes. Je vais laisser sécher, je vais tout pailleter, laisser sécher, je vous montre le résultat une fois sec. Voilà le résultat, j'ai ressorti mon papier Pink Christmas que j'adore de l'année dernière. Et regardez, tous mes poinsettia, vraiment j'aime beaucoup en vélum. Ils sont très très beaux et les bleus, je les ai réalisés pour la collection Winter Tale. Les roses plutôt pour celle-ci, mais les rouges sont très très sympas aussi, comme vous pouvez le voir. Et puis vous pouvez à l'arrière de vos poinsettia venir coller les feuilles de houx en les disposant un petit peu tout autour. Ou si vous avez d'autres feuilles, vous pouvez également utiliser d'autres feuilles qui vont plus ressembler à la feuille de poinsettia. Là, c'est tout à fait selon vos goûts. Donc j'espère que ce tutoriel poinsettia vélum vous aura plu, vous donnera envie d'en réaliser, pour les préparer pour la fin d'année sur des cartes, dans un album, plein de possibilités avec les poinsettia.
Le prochain tutoriel sur les poinsettias, nous les ferons en papier cette fois, peut-être dans d'autres couleurs plus traditionnelles. En attendant, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations et je vous fais de gros scrap bisous. À bientôt !